Coucou les filles, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, je suis désolée. En fait, mon téléphone était cassé, donc j'ai pas pu faire de vidéo jusqu'à maintenant. Et puis, je me suis dit, je vais quand même pas attendre jusqu'à recevoir un nouveau. Donc, j'ai emprunté le téléphone à mon copain pour pouvoir vous faire donc cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un produit qui pour moi est vraiment révolutionnaire. Alors pourquoi révolutionnaire? Je vais vous donner tous les avantages et vous allez me dire en commentaire si vous aussi vous le trouvez révolutionnaire. Mais pour moi, voilà, c'est un produit, je pense que c'est le produit de demain. C'est vraiment le vernis 2.0 si on peut dire. Et vraiment, moi, je l'adore, voilà, parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Je voulais voir vos réactions. J'en ai parlé sur Facebook. C'était la folie, tout le monde en veut. Alors, je les ai pas encore, mais je les aurai bientôt. Donc voilà, je vous les annonce un petit peu en avant-première pour avoir un peu vos retours si vous êtes intéressés, pas du tout. Voilà, pour savoir comment vous voyez la chose. Alors, le vernis, c'est ça. Alors là, vous le voyez pas forcément très très bien. Là, ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai sur les ongles. Vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous voyez bien, qu'il est extrêmement. Voilà, il n'y a pas d'épaisseur. C'est super fin. Donc c'est mes ongles naturels. J'ai retiré mon gel après 12 ans de pause. Et donc voilà, j'ai enfin osé tester ces produits. Ces produits, alors ils sont sains. Parce que voilà, c'est du gel biomédical. Il s'applique vraiment très 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 facilement parce qu'en fait, c'est pas du tout comme un vernis qui va sécher et vous allez passer 5-6 fois et ça va être du n'importe quoi. Là, au contraire, vous pouvez passer 100 fois si vous le voulez. En fait, il ne séchera pas. Il va sécher sous les LED. Alors là, vous allez me dire, oui, mais je connais le vernis semi-permanent, j'en utilise. Voilà, c'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que ça va être un vernis déjà qui est 3 en 1, donc pas besoin de base. Pas besoin de finition, qui va être ultra brillant. Alors là, on le voit peut-être plus forcément après 15 jours, mais je peux vous garantir qu'en vrai, il est super brillant. Et quand je l'ai appliqué, j'ai fait waouh, j'ai jamais eu un résultat comme ça avec un vernis semi-permanent. En plus de ça, ben, comme je vous l'ai dit, il est hypoallergénique. Enfin, ça, je vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est un gel biomédical. Et en plus de ça, il est vegan, sans cruauté animale. Alors pourquoi j'en parle? Au départ, je voulais pas en parler, mais j'ai eu tellement, tellement de demandes de gens qui me disent, mais tu dis que c'est un gel plus ou moins, enfin un vernis gel plus ou moins sain. Est-ce qu'il est vegan? Donc oui, il est vegan. Donc voilà. Mais ça n'a rien à voir avec voilà mon style de vie ou tout ça. Voilà, moi je suis pas vegan personnellement, mais j'ai voulu créer un produit qui soit le plus sain possible et donc j'ai voulu qu'il le soit. Voilà, tout simplement. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails sur ce côté-là parce que voilà, c'est un sujet qui est souvent polémique et voilà, j'ai pas envie qu'on retienne que ça du produit. C'est un produit vraiment exceptionnel par plein d'autres aspects, par le fait qu'il se retire sans produits chimiques, donc pas d'acétone. On ne le retire pas à la lime non plus, donc on n'a pas besoin d'avoir peur d'abîmer l'ongle, mais au contraire, il va se retirer à l'eau chaude. Alors là, vous allez me dire. Je vais faire la vaisselle, je vais prendre un bain, il va se retirer. Alors non, pas du tout. Je vous ai fait plusieurs vidéos, je vous ai fait des crash tests avec donc justement un jour où j'étais au terme toute la journée dans de l'eau à 36 degrés pendant des heures. Je vous ai fait une vidéo dans l'eau, je vous ai fait une vidéo dans la douche pour vous montrer que ça ne part pas à la douche. Je vous ai fait voilà plein de petites séquences comme ça. D'ailleurs, je vais les monter dans la prochaine vidéo, comme ça je vous montrerai vraiment la tenue. Je vais faire une vidéo vraiment tenue sur ce produit-là qui pour moi est vraiment exceptionnel. Et je vous ai fait également une vidéo pour vous montrer le retrait, à quel point c'est facile. On met les mains 5 minutes dans l'eau chaude et il y a une technique spéciale pour l'enlever. Tant que vous ne faites pas cette procédure-là, le vernis ne part pas. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas écaillé. Il tient super bien. On voit un tout petit peu la repousse. Alors, je ne sais pas si on voit bien, bien de près. Voilà. Alors, moi, j'ai les ongles qui poussent naturellement très lentement, comme les cheveux, malheureusement. Et du coup, ben, j'ai pas besoin de le refaire très, très souvent, mais du coup, on voit pas bien la repousse. Mais je vous mettrai également des photos parce que je l'ai testé sur plusieurs filles. Et donc, j'ai dit, voilà, vous faites vraiment un super crash test. Je veux que vous le fassiez dans des conditions vraiment normales, même.
normal plus, on va dire, en testant vraiment le produit, donc en faisant beaucoup la vaisselle. Donc il y en a une qui a fait du cheval, une autre qui est coiffeuse, qui a utilisé des produits de décoloration sans gants. Voilà, plein plein de choses comme ça. Et en fait, la plupart des filles l'ont tenu 21 jours, même plus. Il y en a une qui m'a dit, moi je teste un mois, je veux le faire jusqu'à un mois et ça tient encore super bien. Les autres, voilà, la repousse, elle était quand même bien bien visible, donc elle voulait l'enlever. Et les voilà, simplement les refaire. Et donc il y en a une seule, donc la coiffeuse, qui m'a dit, j'ai récuré le sol à la main et tout, il y avait de la crasse par terre. Donc là, à force d'avoir nettoyé toute la journée avec les ongles nus, sans gants, en fait là, ça a commencé un tout petit peu à s'écailler sur l'avant et elle voulait pas le garder comme ça. Mais elle les a quand même tenus 15 jours. Donc ce qui est quand même déjà énorme pour un vernis. En plus de ça, il a quasiment pas d'odeur. Voilà, il n'y a pas de produit donc de retrait, donc pas d'odeur du tout de dissolvant, de choses comme ça, comme vous pouvez voilà, vous l'imaginez, vous sentez le dissolvant. Il n'y a pas de durée d'attente de séchage, puisqu'en fait le vernis sèche en 30 secondes sous la lampe. En plus de ça, je vais vous proposer un mini kit. En fait, voilà, j'appelle ça un mini kit, mais c'est vraiment, il y a tout le nécessaire dedans pour faire l'application, le retrait, repousser les cuticules, nettoyer l'ongle, limer, enfin voilà, tout ce qu'il faut faire pour faire des ongles super jolis. Et donc voilà, je vous proposerai bientôt des kits. Je proposerai 30 couleurs de ces vernis-là, donc vegan, comme je vous l'ai dit, sans cruauté animale et qui sont biomédicales. Et donc en plus de tout ça, je m'engage personnellement, puisque c'est dans mes convictions personnelles, de replanter des arbres. Donc en fait, bah, je m'engage à reverser une partie de mes bénéfices pour la reforestation, parce que pour moi c'est hyper important de contribuer au monde, d'avoir un impact positif. Et aujourd'hui on voit la nature qui va très très mal, et je veux vraiment contribuer à faire en sorte que ça aille mieux. Alors à ma petite échelle bien sûr, mais voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. Alors ce qui va se passer dans les prochains temps, c'est que donc je vais sortir les 30 couleurs avec donc les kits. Vous pourrez, alors il faudra être assez rapide, mais vous pourrez en bénéficier. Et aussi je vous donnerai l'opportunité de faire partie des pionnières qui vont développer cette marque. Alors sur la France, mais également à l'international, puisque actuellement je forme déjà des élèves donc dans une vingtaine de pays à l'international, un peu partout dans le monde. J'en ai vraiment aux quatre coins du monde. Et donc je choisirai une dizaine de vendeuses. Alors je dis une dizaine, mais il se peut que j'en prenne un petit peu plus en BDI. Par contre, pour les pionnières, il y aura deux conditions. La première, c'est d'être déjà VDI et d'avoir déjà une grosse équipe, tout simplement parce que je veux des personnes expérimentées. Et deuxième condition, c'est pouvoir simplement venir chez moi pendant 2 jours pour qu'on puisse faire un brainstorming ensemble. C'est-à-dire que ce que j'appelle un brainstorming, c'est simplement réfléchir sur le point, donc comment optimiser au mieux ce métier, comment faire en sorte que ce soit plus facile pour les vendeuses d'en parler, bon, pour les conseillères plutôt d'en parler, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faciliter les paiements des commissions, les choses comme ça. Voilà, j'ai vraiment envie pendant 2 jours qu'on se casse un petit peu la tête, parce que brainstorming c'est ça, sur tout ça. Et j'ai surtout envie de vous montrer que je tiens énormément compte de l'avis des autres. C'est pas une entreprise que je veux faire, enfin pas un projet que je veux faire pour moi-même, c'est un projet que je veux faire parce que je sais que c'est tellement important pour les femmes d'avoir un rôle important dans la société, parce que oui, on est des femmes, mais on peut faire de grandes choses aussi. Et donc j'ai envie de prendre finalement votre savoir aussi, de dire bah, génial, tu as des super idées, on va les mettre en pratique. Et parce que voilà, j'ai pas envie d'être un patron entre guillemets un petit peu despotique qui va dire tu fais comme ça, comme ça, comme ça, les règles sont établies, soit tu y adhères, soit tu y adhères pas. Non, j'ai envie qu'on le crée ensemble. C'est comme si c'était un bébé qu'on allait créer ensemble. Et en plus, cette opportunité, ça va en fait être génial pour vous de faire partie des pionnières, tout simplement parce que le produit, donc déjà, il plaît énormément. C'est un produit, je pense qu'on peut que être fan de ce produit-là parce qu'il a plein plein d'avantages. Et en plus de ça, ben, vous allez être les premières à le proposer sur le marché. Donc les gens vont forcément faire beaucoup appel à vous. Donc la possibilité d'avoir des gains importants par rapport à ça va être plus grande. Et ensuite, j'ouvrirai la possibilité à d'autres personnes, donc qui vont être plus novices, qui vont être formées
par ses pionnières. Et donc voilà, on va pouvoir agrandir la famille de ce côté-là. Par contre, ce qui sera très 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 important, je ne prendrai que des personnes bienveillantes, qui font preuve d'ouverture d'esprit, qui sont joyeuses, souriantes, qui soient généreuses, qui ont envie de donner de leur temps, de leur énergie, qui ont envie de s'investir dans ce projet-là, parce que j'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui se dise ouais bon je le fais comme ça, on verra bien. Non, je veux des personnes déterminées, je veux des personnes qui veulent réussir, je veux des personnes qui vont se donner les moyens d'y arriver. Il y a des jours où on est fatigué, pas de souci, on ne travaille pas ces jours-là. Mais il y a des jours où il faut se dire, bon, maintenant, j'y vais, je fais ce qu'il y a à faire, parce que forcément, bah, ça tombe pas tout cuit dans le bec, hein. C'est comme ça pour tout le monde et pour tout. Mais il y a des moments, voilà, où il faut se dire, maintenant, je travaille, je me donne à fond. En plus de ça, si c'est un métier qui nous passionne, si c'est des produits qui nous passionnent, j'ai envie de dire, ça va tout seul. On n'a même pas l'impression de travailler. Moi, par exemple, là, en vous faisant cette vidéo, pour moi, c'est pas du travail. Pour moi, c'est un échange, un partage. Et je veux des personnes qui soient dans cet état d'esprit de se dire, voilà, c'est un partage, un échange, je donne de mon temps pour les autres, je reçois en retour également. Et des personnes pas que intéressées par l'argent, parce que pour moi l'argent c'est secondaire, c'est vraiment quelque chose qui vient après. Dans un premier temps, c'est d'écouter les autres, de les conseiller au mieux, voilà, de pas forcer à la vente. Alors moi je suis complètement contre ça, c'est d'ailleurs pour ça que mes élèves dans les formations disent tout le temps quand elles font des témoignages et quand elles en parlent sur le groupe privé Femmes d'exception du rêve à la réussite, si vous voulez nous rejoindre, que en fait moi je ne force jamais quelqu'un, c'est-à-dire je réponds à vos demandes, mais je ne vous relance jamais au téléphone, je vous appelle pas pour dire alors t'as réfléchi, tu veux t'inscrire à la formation, jamais. Parce que pour moi, c'est important d'être là dans une sorte de service, mais pas de vente forcée. Pour moi, c'est interdit. Donc si vous êtes négatif, que vous voulez absolument gagner de l'argent, que rien d'autre vous intéresse, vous n'avez pas le profil pour faire partie de mon équipe. Mais au contraire, si vous êtes souriante, ouverte, joyeuse, tout ça, vous serez bien sûr les bienvenus. Donc après, tout dépend de votre niveau. Si vous êtes déjà VDI, vraiment confirmé que vous avez une bonne expérience de plusieurs années dans le domaine, que vous arrivez à monter une bonne équipe, tout ça, ben voilà, vous avez un super parcours pour faire partie des pionnières. Et si vous êtes totalement débutante, mais que vous êtes super, super, super motivée, eh ben vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et en fait, voilà, j'ouvrirai les inscriptions, je pense, début d'année 2019. Donc, je pense en janvier, février, j'ouvrirai les inscriptions. Mais ça, voilà, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je ne peux pas encore donner de date précise. Mais ça vous laissera aussi le temps d'y réfléchir, de voir comment vous pouvez vous organiser. Parce que c'est une activité que vous pourrez faire les week-ends, que vous pourrez faire le matin, l'après-midi. Ce sera des réunions que vous pourrez faire chez des personnes. Ou alors, vous pourrez le faire également sur Facebook, Instagram, YouTube. Il y a plein de moyens. Moi, je ne suis pas fermée justement à ce canal de diffusion-là. Au contraire. Et donc, voilà, vous serez totalement libre. Encore une fois, la liberté, j'en parle partout dans mes formations. Parce que voilà, c'est des formations à distance. Vous pouvez les suivre quand vous voulez. Moi, vous avez accès à moi 7 jours sur 7. Voilà, c'est toujours dans la liberté, dans le respect, dans tout ça. Et donc, j'ai voulu continuer sur cette voie-là avec des produits sains, avec une organisation qui tient compte de vos idées, de votre organisation à vous, de tout ça. Je tiens compte de tout finalement pour faire le produit, pour faire la méthode la plus adaptée, la plus voilà, la mieux possible. J'ai beaucoup parlé de nous. Je suis désolée. Alors dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Alors je l'ai filmé il y a 15 jours. J'ai pas eu le temps encore de vous la montrer. Dans la prochaine vidéo, je vous montre donc comment j'ai appliqué, donc déjà comment j'ai limé mon gel, comment j'ai ensuite appliqué le vernis. Alors on va dire que c'est un vernis semi-permanent, puisque c'est très proche d'un vernis, puisque c'est très fin. Mais finalement, ça tient aussi bien, voire mieux qu'un vernis semi-permanent, parce qu'il y a vraiment zéro décollement. Et j'ai déjà eu des problèmes avec des vernis semi-permanents qui se décollait, et là pas du tout. Donc voilà, je vous mets ça dans la prochaine vidéo, et je pense dans la vidéo d'après, je vous montre le retrait d'une pause, et puis soit dans l'une, soit dans l'autre, je vous montrerai également les crash tests que j'ai fait, et aussi je vous montre les photos. Donc ça, je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo-là, je vous montre les photos donc
des pauses que j'ai faites, donc le premier jour, à 7 jours, à 14 jours et à 21 jours. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes super enthousiaste par ces produits. Alors là, c'est un espèce de rouge bordeaux entre deux. Il y aura, comme je vous l'ai dit, une trentaine de couleurs qui sont vraiment magnifiques. J'ai mis 2 jours à vraiment me décider sur les couleurs. Et donc du coup, j'espère qu'elles vous plairont vraiment. Ce que je vais faire aussi, c'est que tous les 3 mois, je vais en fait sortir une collection de produits qui va être éphémère, c'est-à-dire ce sera des couleurs qui vont être vraiment adaptées à la saison et aux couleurs de la saison, voilà, les couleurs tendances, tout ça. Donc ce sera adapté. Donc le but, ça va être de pouvoir adapter donc vos ongles par rapport à vos tenues, tout ça, par rapport à ce que vous aimez bien. Et voilà, ce sera vraiment, je pense, le top. C'est une idée que j'ai eue et je pense que c'est plutôt une bonne idée pour les filles qui aiment bien être tendance, tout ça. J'ai mon chat qui gratte à la porte. Je vais juste la laisser sortir. Et donc voilà, on se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo. Je vous laisse avec les photos. Et puis, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de me dire en commentaire si vous êtes enthousiaste pour tester les produits, si vous avez envie de faire partie de l'équipe des pionnières des VDI ou si vous avez envie de faire partie des VDI qui viendront par la suite, donc des conseillères. Et voilà, si vous n'avez pas d'expérience jusqu'à présent. Et voilà, je vous dis à très très vite. Vous pouvez également me rejoindre sur le groupe privé Femmes d'exception, du rêve à la réussite. Donc sur ce groupe, vous pourrez parler directement aux filles qui sont en formation actuellement, si vous avez envie de suivre une formation. Vous pouvez également me poser des questions sous cette vidéo. J'y répondrai avec très très grand plaisir. J'essaye de regarder au fur et à mesure tous les jours si vous avez des questions et d'y répondre au plus vite. Sinon, vous pouvez bien sûr me joindre sur Facebook, mon nom c'est Nathalie Krebs, Krebs, et donc voilà, vous pouvez me contacter par Messenger, comme vous voulez, par mail, par téléphone, tout ça. Vous retrouverez mes coordonnées sur le site www.yournails-international.com. Et donc voilà, vous avez tout le descriptif des formations et bientôt je parlerai également du statut de VDI, donc de conseillère beauté pour ces nouveaux produits comme je vous l'ai montré. Et je vous dis voilà, à très très vite. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Bye, merci.